Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau haul et il s'agit encore une fois d'un site chinois. Voilà, ils m'ont demandé si je voulais tester, j'ai dit bah pourquoi pas. Donc encore une fois j'en ai fait profiter mes copines. Donc le site c'est newchic.com, vous l'avez en haut et vous l'avez en barre d'infos partout. Donc je vais vous montrer ce qu'on a commandé et puis je vous mets en barre d'infos comme d'hab tous les articles si jamais ça vous intéresse. Alors c'est Coussin Land. Hein, c'est Coussin Land. On a toutes commandé des coussins, donc il va y avoir le plein de coussins. Alors d'abord ceux-là, qui sont en fait pour les trois garçons de ma copine Virginie avec qui on est parti à San Diego. Voilà, si vous avez suivi mes vlogs à San Diego, vous avez vu vite fait ces trois garçons. Donc voici leurs coussins. Ils ont chacun leur coussin. Alors le premier il est comme ça. Donc c'est un smiley sourire. Ah là là, ils sont doux. Oh là là, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi doux, dis donc. Ils sont super doux. Donc c'est un smiley sourire normal. Voilà. Super beau et super doux. Hein. Il y a ensuite celui-ci, je l'ouvre, hein, qui est un smiley aussi, mais avec des lunettes de soleil. Il est bien stylé. Voilà. Et le dernier, hein, parce qu'ils sont trois. Ah, celui-là, je pense que c'est mon préféré, celui-là. C'est celui-ci. J'adore. J'adore l'expression. Donc vous voyez, ils sont bien, ils sont super bien faits. Ils sont super bien. Ils sont bien ronds. Ça, c'est de la couture. Et c'est bien cousu. Les fils sont bien proches. Franchement, nickel. Qualité nickel. Donc voilà, moi c'est mon préféré, c'est celui-ci. Donc ça, c'était pour Virginie. Ensuite, ça c'est pour ma Lana. Parce que Lana aussi est mise coussin. Elle adore les coussins. Dans le salon, en fait, elle fait des reconstitutions d'hôtels. C'est comme ça qu'elle aime jouer. Et donc forcément, elle prend tous les coussins de la maison et tout. Enfin, elle adore les coussins. Du coup, je lui ai pris celui-ci que j'ai trouvé trop beau. Ah, attendez. Oh, il a l'air gros. Ah oui, il est gros, dis donc. Oh. Alors, je vais appliquer que ça. Il y a bien que ça. Alors, attendez. Ah non, il y a un autre truc là. Ah oui. En fait, il y a le coussin et il y a d'autres produits là-dedans. Attendez, j'ai pris les ciseaux. Avec les ciseaux, ça sera plus rapide, je pense. Hop. Ah oui, dis donc. Alors attendez, il y a complètement autre chose en fait. Il y a le reste de ma commande. Oula, j'essaie de rien oublier. Et donc, le coussin de Lana est... C'est trop beau. Ah, il est trop stylé. Donc là, il est un peu écrabouillé, je pense, à cause du transport, mais... Regardez! Coucou! Il est trop beau! Alors, il y a plusieurs motifs de glaçage. Moi, j'ai pris le rose avec les petits. Surtout que Lana, en fait, elle adore les petits bonbons. Elle appelle ça des bonbons, là, les petits trucs, là, comme ça, je sais pas comment on appelle. Petits bouts de sucre, là, comme ça. Ah, il est trop stylé! Trop stylé! Voilà. Bon, ça, c'est celui de Lana. Il est bien épais, il est bien doux, il est trop bien. Oh, elle va être trop contente. Elle va être trop, trop contente. Et donc, à l'intérieur, elle avait d'autres choses. Heureusement que j'ai vu parce que c'est tout petit. Alors, ça, c'est pour moi. C'est un collier. Je jette les trucs par terre, hein. Normal, pas s'inquiéter. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir ça correctement, ce serait mieux. Ça ira plus vite avec les ciseaux. Alors j'adore. Alors je sais pas si ça va bien vieillir. Je ne sais pas. C'est rose gold. Et regardez ce que c'est. C'est une petite Californie. C'est l'état de Californie avec un petit cœur en rose gold. Magnifique. Il est trop beau ce collier. Il est trop, 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 trop beau. Alors voilà, je sais pas si ça va bien vieillir ou pas. Pour l'instant, il est parfait. Oh là là, il est trop beau, j'aime trop. Je suis trop fan. Donc voilà, ce petit collier. Ça. En fait, je vous avoue que je me rappelle plus vraiment ce que j'ai commandé. Je me rappelle plus vraiment ce que j'ai commandé. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, ça, ça a l'air d'être des chaussettes. Ah, ça, je crois que c'est pour Gaëlle. Alors, ce sont, vous voyez, des chaussettes comme ça. Pour enfants. Des chaussettes Rési, quoi. Noires, avec les petites dentelles, là. Elles sont jolies, hein. Donc ça, je pense que c'est pour Stella. Hop, je vais mettre là. Ensuite, là-dedans, je ne sais pas ce que c'est... Et en plus, comme du coup mes copines ont commandé et tout, j'avoue que moi j'ai copié-collé les liens. J'ai regardé, hein, mais je m'en rappelle plus. Ah oui,
Ça, je crois que ça, c'est pour Lucie. Alors, c'est ça. C'est tout bête. C'est un petit support en plastique que vous mettez dans votre cuisine pour faire sécher des choses. Vous voyez, il y a des trous à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez faire sécher, je sais pas moi, les tétines du bébé ou je sais pas. Alors la couleur, elle, c'est vert fluo. Hein, voilà, vous le voyez bien, vert anis. C'est en plastique, c'est en silicone, je pense, et c'est bien. Voilà, c'est exactement la photo qu'il y avait sur internet en tout cas. Ensuite, alors ça j'ai vu, parce que j'ai pris ouvert pour gagner du temps, et je suis un peu dégoûtée. Voilà, j'avoue, je suis un peu dégoûtée parce que je m'attendais pas. Voilà. Enfin, c'est moi qui ai du mal lire parce que ça doit sûrement être indiqué. En fait, je pensais que c'était des coussins. Et ce ne sont pas des coussins. Ce sont uniquement les thés de coussins. Donc voilà. Donc je m'attendais à recevoir les coussins. Et en fait, ce sont juste les thés. Alors attendez. Je fais du bruit en plus. Ils sont super beaux, mais ben, il va falloir qu'on trouve le rembourrage pour mettre dedans. Oh là, il est magnifique. Ça, c'est pour Lucie. Trop beau. Par contre, il est trop beau. Il est méga doux. Il est super bien, quoi. Donc, welcome to California. Voilà, donc c'est un coussin californien, il est trop beau avec une vieille voiture, des paniers, une planche de surf. Il est méga doux, hein. Alors là par contre il n'y a rien à dire là-dessus, la qualité est top. C'est juste bah, qu'il faut qu'elle achète le coussin qui va dedans. Donc il y a une fermeture éclair très bien faite pour mettre dedans, donc voilà, il va falloir qu'on aille à Ikea. On va être obligé d'aller à Ikea, oh, quel dommage. Bah, pour prendre l'intérieur, je pensais pas du tout que c'était doux. Je compte, enfin je kiffe. Donc voilà. Avec la route 66 et tout, donc il est super beau. Et elle avait pris celui-là aussi. Ah, celui-là qui est dans une toute autre matière. C'est les deux coussins de Lucie en plus. Il est super beau, hein. Les couleurs sont méga vives. C'est un, pareil du coup, un thé de coussin, un thé d'oreiller, un arbre. Et vous voyez, c'est une sorte de, je sais pas comment expliquer, une sorte de toile. Donc c'est pas du tout doux pour le coup. Enfin, c'est doux, c'est agréable, mais c'est pas doux, quoi. C'est pas du velours. Voilà, donc c'est un arbre à couleur, donc du coup pareil, la fermeture est claire et il va falloir qu'elle prenne le coussin qui va dedans. J'avoue que même moi quand j'ai vu le truc sur le site, je pensais pas que c'était sans l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'ils étaient pas chers, donc on peut pas tout avoir. J'ai pris ça pour Lana, ce sont tout simplement des petits élastiques. C'est moi qui ai pris ça ou c'est une des filles? Je sais plus, je vais leur demander. Enfin bref, aucune importance, ce sont des petits chouchous parce qu'on n'a jamais trop de chouchous, hein. Tant donné que les enfants les perdent. Ensuite, ah, ça c'est pour Lana. Et ça, elle va kiffer. Donc je vous disais qu'elle aimait, elle adore les coussins et les peluches, Lana. Je ne vérifie qu'il n'y a rien d'autre. Et je lui ai pris ça. Donc c'est une peluche dauphin. Comme ça. Trop jolie. Et elle s'allume. Alors attendez, je ne sais pas où est-ce qu'il faut appuyer ou comment il faut faire. Il y a une fermeture éclair là. Est-ce qu'il y a un bouton on-off? Exactement. On. Alors c'est déjà on. Alors je sais pas comment on l'allume, comment on l'actionne. Peut-être qu'il faut mettre des piles. Je pense qu'il faut mettre des piles parce que le truc a l'air super léger. Ouais, il n'y a pas de piles là-dedans, clairement pas. Alors attendez. Donc il va falloir que je mette des piles. Mais c'est une peluche qui s'allume, voilà, je vous mets une photo là, si vous voulez voir ce que ça donne, voilà. Donc j'ai trouvé ça super sympa, Lana ça peut lui faire une petite veilleuse dans la nuit, dans son lit la nuit. Voilà, c'est un dauphin ou une baleine, je pense que c'est un dauphin ou une baleine, je sais pas trop. Mais il est trop mignon, il est trop doux, donc voilà, je vais mettre les piles et puis on va voir ce que ça donne. Tombé. Ensuite, dernier sachet. Oui, j'avais plein de sachets parce qu'ils ont divisé la commande en plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est sympa, regardez. Il y a écrit New Chic et il y a le petit. C'est un petit pochon à zip là, comme j'aime bien. Ah, mais ça, alors ça, ouais, ça je m'en sers. Hein. Vous savez que je m'en sers. Ça c'est pour Stella. C'est un petit haut comme ça, violet. Avec là des petits nœuds à nouer autour des poignets. En bas il est comme ça, voilà. Donc c'est pour Stella qui a le même âge que Lana. Donc je pense que c'est du 4 ou 5 ans qu'elle a dû prendre. Enfin 100 cm je crois, c'est souvent en cm sur les sites chinois comme ça. C'est pas écrit. Mais voilà. Ça c'est pour Stella. Et ça, ah oui, il y a encore pas mal de trucs, hein. Ça c'est pour moi.
Je vais voir si elles vont m'aller. Ouais, elles ont l'air bien. Ce sont des baskets. Mais alors, des baskets. Je crois que j'ai jamais tenu des baskets aussi légères de ma vie. Elles sont méga légères. Donc voilà, elles sont comme ça. Elles sont pas trop mal, hein. Elles sont belles. Elles sont super légères, donc ça pour marcher, c'est top. Et en fait, ça, c'est des faux trous, hein. C'est pas vraiment troué. Vous voyez, dedans, c'est normal. Et alors, attendez, je vais les essayer. Moment de vérité. Est-ce que c'est ma taille? Yeah! C'est ma taille! Alors, j'ai les chaussettes super sexy qui vont avec. Mais c'est ma taille! Ah, c'est pile poil ma taille! Ah, génial! Et ben voilà, des baskets en plus. En plus, elles sont méga légères, quoi. Oh, je vous jure, c'est... C'est un peu le plastoc, hein, par contre. Mais elles sont bien souples, elles sont bien. Elles sont pas... Vous voyez, elles sont... Je suis contente. Super. Donc, je vais les mettre. L'année dernière, j'avais commandé des bottes de pluie sur un site chinois et je m'en sers tout le temps. Donc là, ça va être pareil, je pense. Et alors, hop, un autre petit pochon à zipper. Et ça, je crois que c'est pour Stella aussi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un legging collant, assez chelou, saumon avec les bouts marrons. Et à l'intérieur, c'est du tout doux. C'est du velours ou je sais pas trop, enfin voilà. Un peu épais comme ça. Donc il y a un doublage, voilà. Il y a vraiment un doublage tout doux à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Ça a l'air d'être bien taillotte pour bien couvrir les reins, ça c'est top. Donc voilà, donc ça c'est un pantalon pour Stella. Et c'est tout. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. Écoutez, moi je suis ravie, à part l'histoire des coussins sans intérieur. Mais les autres coussins, franchement, ils sont géniaux. Le soleil se lève juste quand j'ai fini la vidéo, c'est tout à fait normal. Mais alors celui-là, il tue, quoi. Je suis trop contente de lui, il est trop beau. Voilà, je suis clairement satisfaite de la commande. J'espère que les copines vont être contentes aussi parce que tout a l'air bien. Je suis bien fan des baskets qui vont bien me servir, ça c'est une certitude. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Franchement, elles sont bien stylées, hein. En plus, elles s'enfilent en 2 secondes. Pam pam. Bon, les chaussettes, ça va vraiment pas avec, désolée. Mais elles sont vraiment bien stylées, quoi. Et elles sont légères, j'ai l'impression que j'ai rien. Trop fort. Et regardez la peluche, je viens de mettre les piles. Non, mais c'est trop stylé, elle change de couleur. Mais Lana, elle va être ouf. Vous savez ce que c'est, ouf? Elle va adorer. Elle est rose. Ah non, mais j'adore. Et en plus, elle est toute douce. On sent pas du tout qu'il y a un truc dedans. Trop génial. Donc, c'est 3 piles AA. Normal, quoi. Et voilà, là, il y a le bidou pour qu'on ouvre pour mettre on ou off. Et voilà. Non, mais c'est génial. Je suis trop fan de cette peluche. Et je sais que Lana va l'adorer. Ferme tes yeux. Non, tu fermes tes yeux. Tricheuse, va. Ouvre. T'as un autre? T'as vu l'autre? Assis-toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Assis sur le coussin. Vas-y, ouvre. Oh, ça fait du mal. Où tu éteins? Où tu éteins? Il faut ouvrir. Faut ouvrir dedans là. Mais attends, c'est pas important de où on l'éteint. Où tu éteins? Là, regarde. Oh, la première question pratique, tu ouvres la fermeture, tu as ça, il faut surtout pas toucher, d'accord? Et tu éteins là. Ok? Mais c'est maman et papa qui éteignent, c'est pas toi. C'est comment ça fait de couleur? T'as vu? Comment ça fait de couleur? Ça change de couleur tout seul. Oh, attends, c'est pas ça. Oh, c'est quoi? Tu vois, c'est un dauphin. Regarde. Coucou. Oh, c'est plein d'or.